bien ou bof, et voilà, c'est reparti pour une nouvelle saison, une nouvelle distribution de punitions. Faites la queue calmement, il y en aura pour tout le monde. Bon, alors évidemment, on a commencé tout doucement, et comme on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, on s'est fait un petit menu à la noix de pécan calmement. Bon, alors qu'est-ce qu'on leur a fait aux canettes, hein? Les canettes, on leur a fait quoi, hein? Eh ben, on les a bu, réfléchis toi aussi, t'es bête ou quoi? Donc c'est ça, on les a bu cul sec, poteau, avec un bon petit 3-0, score classique, juste qu'est-ce qu'il faut pour bien commencer la saison, poteau. Ah, moi, franchement, ça m'a trop fait zizir de revoir nos Marvel sur le terrain avec Nkudu sur le côté droit et Di Mamma Mia sur le côté gauche. On avait aussi Neymarvel au milieu en mode avançant, poteau. Mais bon, lui, Neymarvel, il va tout partout, il fait tout qu'est-ce qu'il veut, c'est lui le patron. Et tu me diras, Nkudu et Di Mamma Mia aussi, ils ont fait tout qu'est-ce qu'ils voulaient, ils sont échangés les stopos. Ouah, c'était chaud sur le terrain. De toute façon, c'est nos Marvel, ils font tout qu'est-ce qu'ils veulent. Tu vas dire quoi, toi? Y'a que Trouel qui peut ouvrir sa chebou, poteau. De toute façon, ça a pas traîné, hein. Dès le début du match, ouverture du score de Neymarvel sur une passe D de Nkudu, ça fait zizi. Neymarvel qui ouvre son compteur but piano piano. Quand Kava Magnifique n'est pas là, Neymarvel met les pieds dans le plat. Moi chez moi. Et Nkudu, là faut que je te parle rapidement de Nkudu, parce que lui il me fait de plus en plus kiffer. Pour moi c'est le meilleur des jeunes espoirs, parce que là on a une ribambelle de jeunes là qu'on les crocs, poteau. Et y'a le petit Wea aussi qui est pas mal du tout. Il a même mis son petit but de renard de surface. Ça m'a fait zizir aussi. Mais franchement, Nkudu, il est quand même un cran au-dessus, ma gueule. Et il y a deux autres jeunes qu'il faut absolument féliciter aussi, c'est Gnocchi et Abadakor. Donc Tomato Trouel, je te fais confiance, poteau. En ce qui concerne Kurzawalu, on cherche un remplaçant. Je crois que tu les as trouvés, ma gueule. Bref. Ouais, ouais, je sais. Calme-toi, jeune freluquet. J'ai pas encore parlé de Rabiolos parce que j'ai pas mal de choses à dire sur Rabiolive. Bon alors écoute-moi bien, Rabiolos. Bon alors hier, t'as bien, ouais. T'as même mis un but, c'est cool. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que t'es train de faire? Pourquoi tu me revolvers? Déjà, tu nous as foutu la théon avant la Coupe du Monde. Comment ça me vénère? Monsieur Chenef, monsieur fait la diva, monsieur fait des chichis, monsieur ne restera pas. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je t'aimais bien, moi. Avant, je t'appelais même Rabioman. Et bah, dorénavant, ça sera Rabiolos ou Rabiolive. Et on, jusqu'à nouvel ordre. Ah, je sais pas si c'est ta daronne. Je veux pas te manquer de respect à la daronne, poteau. Mais je sais pas, en voilà au Club Med, en voilà en maison de retraite, en voilà aux Maldives, en voilà où c'est que tu veux, mais qu'elle nous foute la paix, s'il vous plaît. En tout cas, tout qu'est-ce que je sais, c'est soit tu acceptes le deal, ou soit tu te barres. Et que si tu te barres, inchallah que tu vas dans un club de merde et que tu fasses de la merde. Bah ouais, je suis vénéré, mais moi je t'aime bien, en vraie vérité, je t'aime bien, mais façon, on sait très bien que tu vas rester. C'est la fin des Rabiot en ce qui concerne le mercato, donc tu vas rester. Mais c'est comme si par exemple t'es amoureux d'une go, et puis elle hésite à te quitter, puis finalement elle reste avec toi par dépit. Donc t'es comme ça, t'es content parce que t'es amoureux d'elle, mais tu la regardes du coin de l'œil. En vraie vérité, dans ta tête, t'as envie d'y cracher dessus. Bah ouais, donc nous on est des bouche-trous en vrai. En vraie vérité, on est des bouche-trous. Eh poteau, t'as une chance inouïe de jouer pour Paris. Parce que crois pas, quand tu vas partir dans un autre club, tu seras plus un Marvel. Donc t'auras plus aucun pouvoir. Tes pouvoirs, ils vont disparaître. Ah ouais, ma gueule. Moi chez moi. Bref. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. C'est un super quand même début de saison. Ouais, hein, c'est quand même un super début de saison. Ouais, j'ai mélangé les mots, mais c'est pas grave, tu m'as compris, ma gueule. Donc 3-0, score classique, ça fait zizir, le minimum syndical contre les canettes, hein. Les autres, je vois que vous vous excitez là, faut faire la queue dans le calme, hein. C'est pas comme pour les promotions de Nutella, on ne s'excite pas, on ne se chamaille pas. Faites la queue calmement, il y en aura pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine distribution de punitions. On connaît les bails. Salut.